territoire, regagner du temps. La pointe mise en échec. On tente de remettre le long de la rampe. De Silva est là pour le Phoenix. C'est repris un peu plus loin derrière. Dar, sortie de zone ratée. Kadrinakis devant le but! Belle passe de Kadrinakis devant le filet. Alors que on était bien posté du côté de l'Armada. Et ça vient faire rapidement 1-0. C'est Simon Pinard qui était là. Mario, les leaders donnent le ton et on y va tout de suite d'un revirement d'une passe de qualité alors que Kadrinakis lui a démontré qu'il était prêt à dégainer. On voit ici, on échappe la rondelle du côté du défenseur, on récupère ce revirement, fait la passe à son coéquipier qui est seul dans l'enclave. Et le tir là, n'a donné aucune chance à Lauren Cornish. Beau but, beau tir, bon départ pour l'Armada. Revirement, on se donne une chance de gagner chez l'Armada. Orman. De remettre ça en fond de territoire. Oh, attention, rondelle perdue. Okouliar s'échappe. Okouliar réussit à créer de l'espace. Le tir au but! Et Sherbrooke s'inscrit finalement au pointage. C'est 1-1 Oliver Okouliar. Depuis le début de la rencontre, Okouliar et ses coéquipiers sur ce trio font des étincelles. Et là, on a réussi à créer un revirement et à contre-attaquer. Okouliar s'est servi de sa vitesse. On voit ici mettre la pression. Ensuite, accélère, se démarque du défenseur. Il va d'un beau tir qui déjoue Cregan. Alors, on avait hâte là, de voir du côté des partisans le premier but du Phoenix. Et c'est Okouliar là, qui... Il... Vers la rondelle, Okouliar a tenté de la reprendre derrière lui, mais Lacombe choisit de laisser derrière à Portman. À l'autre bord, bon jeu! Le tir s'est bloqué par Lauren Cornish. Beau déplacement là-dessus. Et là, on vient de frustrer l'Armada. D'une très belle chance dans la période, la meilleure. Fort du gardien Lauren Cornish, c'est la contre-attaque ici de l'Armada. Ils ont effectué ici un jeu en croisé. Ils ont remis la rondelle. Ils ont appuyé l'attaque avec un défenseur. Et Lauren Cornish a vraiment bien fait sur cette séquence. 1-1, 6 minutes à faire à ce moment-là. Donc, 3-1 qui va finir aussi ce soir. Avec les séries que connaissent les cataractes de Shawinigan, impossible pour un amateur de projeter un petit coup d'œil. Attention, pendant que Renisto s'avance, il est seul, glisse, la rondelle s'est bloquée par Lauren Cornish là-dessus. De Silva qui s'est blessé sur la séquence et on voit ce que ça crée ici, une situation d'échappée. Et là, Lauren Cornish qui a fait tout un arrêt. Et... Voilà, Phoenix. Camp, seul pendant qu'on amène des changements. Ben, le but! Oh, elle est... s'en va seul. Les quatre autres sont au banc en train de changer du côté du Phoenix. Prend un tir et surprend Cregan pour donner les 2-1 au Phoenix. Un jeu qui paraissait de canon, inoffensif. Mario, un boulet de canon, ça a sorti de nulle part. Il va vraiment, en pensant qu'il va déjouer, il va d'un tir. Parce que la rondelle a dévié sur le bâton où le gardien était complètement voilé. Sur le jeu. Ah, oh, belle prise de vue ici. Ah, oh, c'est frayé un chemin. Oh, touche l'extérieur du filet. Ah, bien prêt de surprendre le gardien de Sherbrooke. Là-dessus, attention, 2-1. Dar va se positionner dans l'enclave. Le tir, le but! Tadif qui donne les temps. 3-1 avec 3 minutes 18, ça sent la fin. Mario, de la saison soupir de soulagement pour les partisans du Phoenix, pour les joueurs du Phoenix. Un but extrêmement important. Et du côté de l'Armada, on venait de rater une très belle chance, ce qui a donné par la contre-attaque un 2-1. Beau choix de tir ici. On a tiré plutôt que de tenter une passe qui aurait pu se retrouver, contourner la rampe. Alors Dow qui remet la rondelle à son coéquipier, qui lance un beau tir dans la partie supérieure. Alors, belle pièce de jeu. Et ça, là, c'est de l'air frais. Là. On a pu commencer à patiner vers la zone neutre avant de projeter la rondelle à l'extérieur. Et voilà. On va continuer le coup avec cette séquence. Ça emmène au filet. Et vise à l'intérieur des deux poteaux. À 59 secondes au tableau. Le Phoenix qui assure sa participation à la deuxième ronde des séries. 3 buts d'écart. Et le but de Kemp aura vraiment cassé les reins de l'Armada dans le milieu de période. On a placé le Phoenix en situation difficile en début de deuxième et en début de troisième période. Mais par contre, on n'a pas été capable de résister jusqu'à la fin. Et c'est un but surprenant, disons-le comme ça, qui a dénoué l'impasse lorsqu'on a mené 2-1 du côté du Phoenix.